les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on a été vraiment financé sur les 10 dernières années? Aussi, quelles sont les perspectives pour l'avenir? Je commence avec des principes de la Déclaration de Paris. Appropriation, alignement, responsabilité mutuelle, gestion axée sur les résultats, qui devraient nous amener vers un partenariat inclusif, très inclusif, avec le gouvernement, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, et tout ça devrait faire l'effort du financement du PSDH. Avons-nous été financés? Et quelles sont les perspectives pour 2030? Si on regarde ce tableau, on a été financé, je prends que le financement externe et je regarde uniquement les données en développement. J'ai exclu les données humanitaires. Si je n'avais pas exclu les données humanitaires, on aurait pu aller jusqu'à 11 milliards de dollars. Sur une petite économie comme l'économie haïtienne, avoir 9 milliards de dollars de décaissés, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, les résultats sont catastrophiques. 9 milliards avec les grands partenaires comme le Canada, les États-Unis, la BID, la Banque mondiale, le Venezuela, parce qu'on a commencé à suivre et le financement Petrocaribe, parce qu'en termes de modalité, c'est qu'on, l'aide publique au développement et considère le prêt concessionnel, prêt à faible taux, comme de l'aide publique au développement. Donc c'est vraiment de l'aide, donc on a commencé à suivre qu'on n'a pas suivi. Qu'est-ce que ce financement? Quels sont les secteurs financés par les partenaires techniques et financiers? On peut voir naturellement que la santé a été fortement financée. Et le gouvernement et société civile, en termes de code de l'OCDE. Si, et je vous le dis déjà, certaines fois quand vous regardez les projets, c'est carrément, ce n'est pas des projets d'investissement, c'est des projets de fonctionnement. Ça veut dire que les bailleurs étaient en train de financer le fonctionnement même de certains hôpitaux. Paiement de salaire, achat d'outils, etc. Donc, l'étude que va faire aujourd'hui le secrétariat du CAED dans Communaco avec et le bureau du coordinateur résident va montrer que les partenaires techniques ont financé et financiers ont financé plus les secteurs sociaux au lieu de financer des secteurs clés générateurs de croissance. Donc, l'agriculture vient jusqu'en bas en 7e position. L'éducation, encore des secteurs sociaux qui ont été fortement financés. Le transport peut. Et quand on parle de transport sur l'OCDE, c'est vraiment route, ça représente peut-être 25 à 30% du gros du financement. De ces 782 millions qu'on voit, c'est peut-être 30% qui a financé les routes. Donc c'est ça la vraie question. Je vois ensuite le taux de croissance du PIB et les financements externes. On a eu en 2010 moins 5%, on a eu 5% de croissance parce qu'il y avait vraiment du financement externe. Mais ensuite, le financement externe a baissé en 2012 pour encore remonter vers 3. Et financement externe était encore là, mais élection, un peu d'instabilité a fait que on n'a pas vraiment eu beaucoup de financement sur 2012. À partir de 2013 et 2014, on a eu beaucoup de financement, mais la croissance n'a pas tenu. À partir de 2019, instabilité, même si on a eu des financements externes, on a eu des taux de croissance négatifs. Je continue. Maintenant, je regarde sur... Et hier, j'ai regardé Mme Petitfrère qui disait que on a un gap de financement de 3 milliards par année. Et sur les investissements, on devait quand même avoir une augmentation de 35% du PIB sur les investissements. Aujourd'hui, sur les partenaires,
Et sur l'exercice, les prévisions sur 2023-2024 étaient à 51 milliards pour les partenaires. Et c'est déjà plus de 50% des investissements nationaux. Donc, je pense qu'on va arriver jusqu'à 21 milliards, peut-être nous autres, ou 28 milliards maximum. Et les partenaires vont aller jusqu'à 151 milliards. Donc, les financements des partenaires sont toujours au rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils financent? Ça, c'est la vraie question derrière. Parce que quand vous financez des projets sociaux, quand vous financez le fonctionnement d'un hôpital, quand vous financez le fonctionnement d'une école, payer les maîtres derrière, formation des maîtres et paiement des maîtres, ce n'est pas des secteurs générateurs de croissance. Donc, sur ça, il faut prioriser. Maintenant, en termes de perspective, ce que j'aime avec le cadre intégré national du financement et les études que ce cadre a financées, c'est que ces études nous offrent la possibilité de prioriser les investissements. Prioriser. Ce que l'erreur que nous avons fait de 2010 à date, c'est que les mécanismes de coordination de l'aide externe étaient présents. Nous n'avons pas su bien coordonner l'aide externe au développement. Si on demande aux partenaires, par exemple, on nous demande nous autres de financer à peu près 61% du gap pour atteindre 2030. Mais les partenaires vont financer 13 milliards. Mais si aujourd'hui, les mécanismes, et qu'on ne suit pas les études que le cadre intégré national du financement a bien su commanditer pour nous permettre d'évaluer, par exemple, l'économie rurale, d'évaluer notre besoin de financement, on ne va pas y arriver. Et là, ce cadre-là, à travers tout le renforcement du système national de planification et le nouveau TDR du PSDH qui est prêt aujourd'hui, le PSDH qui va intégrer et les ODD jusqu'à 2030, donc là encore, on doit prioriser nos investissements pour aller au moins vers un pays émergent, pas un pays émergent, mais plus ou moins avec des taux de croissance positifs en 2030. C'est vraiment des gaps de financement. Les partenaires peuvent arriver à 13 milliards de dollars. Mais si on continue à demander aux partenaires de financer nos secteurs sociaux, si on ne priorise pas nos financements, on ne va pas y arriver. C'était ça ma présentation. Je laisse la place à M. Oscar pour la fin. Merci.